Je connais quelqu'un qui ferait mieux d'avoir préparé mes lasagnes. Parce que si c'est pas le cas, ça va aller mal. J'ai décidé qu'aujourd'hui allait être une très bonne journée. Salut Garfield. Bon, eh bien adieu, la bonne journée. Oh, tu tombes bien. Ton ami Nermal va passer tout l'été à la maison. J'espère que t'es content. Non. Vraiment tout l'été? Ben oui. Oh. J'avais pensé utiliser cette idée en cas d'extrême urgence. Nermal va s'installer à la maison tout l'été. Si c'est pas une urgence, je veux bien être pendu sous un arbre lasagne. Nermal, qu'est-ce que tu fais ici en train de manger des biscuits au raisin confit? Et t'es pas en train de participer au concours? Le concours? Mais quel concours? Le concours du chat le plus adorablement mignon du monde. T'es sérieux? Et moi, Nermal, j'étais même pas au courant. Et il est où, ce concours? Il a lieu dans le jardin. Hé, hey, fais vite! Si tu te dépêches, tu peux peut-être encore remporter le premier prix. Wouhou! Merci, Garfield! Ça fait une heure que j'ai pas gagné de trophée. Sois content, Nermal. Tu vas pouvoir goûter à la cuisine chinoise. La véritable, authentique cuisine chinoise. Voyons, alors où est passé le ruban adhésif? Oh, j'ai dû le laisser dans le salon. Surtout, tu bouges pas d'où tu es, Nermal, hein? Oh, c'est pas drôle du tout, Garfield. Je vais te lancer ta balle, Odie. Mais attends, je vois que ta médaille s'est encore décrochée de ton collier. Je te la raccroche, mais il faudra que je la répare dès que j'aurai un moment. Allez, va chercher Odie. T'es lourd, dis donc, t'aurais pas dû manger tous mes gâteaux. Et surtout, t'oublie pas de m'envoyer une carte postale. Combien de fois il va falloir que je le répète? C'est vraiment pas drôle, pas vrai, Odie? Oh, avec tout ça, j'ai bien mérité une petite sieste, moi. Oh. Garfield, tu n'as pas vu Odie? Oh, il est sûrement en train de pourchasser sa queue ou de boire l'eau des toilettes. C'est étrange, on dirait qu'il a disparu. Je lui ai lancé la balle il y a quelques minutes et il a couru la chercher dans le jardin. Enfin, il doit pas être bien loin. Dans le jardin! Oh, pas étonnant que ce carton était si lourd! Stop! Il y a peut-être quelqu'un dans le colis que je veux pas envoyer en Chine! Tout te semble triste ou gris, danser va te changer la vie. Alors reprends donc ma chansonnette, elle va te vider la tête. Allez, on bouge tous notre corps. Et plus j'attends, le monde est comme une rose. Danser, repeint tout en rose. Pas besoin. Pas besoin d'être un bon danseur pour bouger avec bonheur. Entendu, mademoiselle Bella. Je devrais être à Shanghai pour midi. Très bientôt, le chat doré vous appartiendra. Je devrais avoir aucun mal à trouver ce carton avec Nermal et Odie à l'intérieur. Oh. Ah bah si. Oh. Odie, Nermal, où êtes-vous? Mais où ça ici? Oh. Pas là-dedans. Ici non plus. Là-dedans non plus. Oh, par contre, il y a des biscuits. Oula, oula, là, je serais mieux de partir. Mesdames et messieurs, veuillez éteindre tous vos appareils électroniques pour le décollage. Non, je peux pas prendre l'avion, moi, j'ai pas de billet, ni de ceinture de sécurité. J'ai même pas un magazine à lire. Ah, 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 ah. Oh, my God.
c'est le dernier, comme par hasard. Mais moi aussi, je suis content de te voir. J'en dirai pas autant pour toi. Tu vas avoir de très gros ennuis, Garfield. Surtout quand les passagers auront récupéré leur carton. Alors, tu m'as encore envoyé au pôle Nord? Mais le pôle Nord, c'est plus assez tendance, voyons, non. J'ai trouvé mieux, on va en Chine. Oh, je préfère ça, c'est... Quoi? En Chine? Garfield! Audi! Vous êtes où? Hey, les gars, réveillez-vous! On a atterri! Bah, où est Nermal? Je sais bien que c'est pas Nermal. Tu vois bien que ce chat doré a plus de valeur que lui. Nermal, debout là-dedans! Après, on dit que c'est moi qui dors tout le temps. Bon, nous y voilà, Audi. Je nous souhaite la bienvenue en Chine. Hé, hey, les animaux sans laisse sont interdits dans l'aéroport. Vite, Audi, attrape ton Nermal et fichons le camp d'ici. Mais oui, c'est la bonne valise. Je sais ce que je fais quand même. Arrêtez-les, les laissez pas s'échapper. Arrêtez ce chat et ce chien. Excusez-moi, c'est à propos de ces animaux, ce chat et ce chien. Ils sont échappés, j'ai rien pu faire. Cette médaille s'est détachée du collier du chien jaune. Il y a le téléphone du propriétaire dessus. Dis stop à la violence, toi au respect. Ça va comme ça, la belle au bois dormant. Allez, debout là-dedans, le boulet. Oh, finalement, je me suis trompé de valise. Oh non, Audi, l'heure est vraiment grave. On est à des milliers de kilomètres de la maison. On n'a rien à manger. John ne sait même pas où on est. On n'a rien à manger du tout. Je t'ai déjà dit qu'on n'avait rien à manger. Bon, le bon côté, c'est qu'on verra pas Nermal de sitôt. Peut-être qu'on pourrait échanger cette drôle de statue contre des lasagnes. J'espère au moins qu'ils ont des lasagnes dans ce pays. D'autant plus qu'on risque de rester ici pour le restant de nos jours. J'ai commencé à m'impatienter, Voldo. Le voilà, mademoiselle Bella. Je viens tout juste de le voler au musée national. La statue du chat doré a intérêt à se trouver dans cette mallette ou quelqu'un va le payer très cher. Oh, c'est cela que tu appelles les chats dorés? Mais je... Cette chose n'a même pas l'air d'une statue. Mon chat doré! Aucune idée! Mais pourquoi vouloir une statue quand on possède le seul, l'unique chaton le plus mignon du monde? Quelqu'un a dû se tromper de bagage à l'aéroport et prendre le mien! Je suis très mécontente, Voldo. Et tu sais ce que je fais quand je suis en colère! J'espère que ce n'est pas chanté! Eh bien si! Oh non! Je ne vous croyais pas si cruel! Je suis sûre que ce chat est au courant de quelque chose. Tiam, tiam, allez jouer avec votre nouvelle amie. Je dois m'absenter pendant une heure, Ding Bang. Tu ne devrais pas étudier au lieu de m'aider au restaurant. J'ai déjà terminé mes devoirs, oncle Tang. Je savais que tu aurais besoin d'un coup de main, alors... Ah, je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Alors serre toutes les bouches affamées qui pousseront cette porte. Ah, allez-vous-en! Je n'ai pas le droit de nourrir les animaux errants. Allez, s'il vous plaît, j'aurai des ennuis si mon oncle Tang vous voit ici.
Hé, vite dit, le numéro de l'apitoiement. Fais-lui tes yeux de cocker. Oh, oh, vous aimez les nouilles chinoises, pas vrai? Vous savez que c'est en Chine qu'on a inventé les pâtes? Ah bon? Je pensais que vous, les Chinois, vous passiez votre temps à manger du riz et à faire du kung-fu. C'est censé être du kung-fu, ça? Quoi? Vous avez encore faim? Je vous aurais bien emmené au restaurant où on sert des dim sum en bas de la rue. Ça, c'est un bon programme. Mais j'ai pas assez, désolé. Ta-da-da ! Wow ! Ça a l'air d'avoir de la valeur. Vous voulez le vendre ? C'est bien ça l'idée ? Il y a justement un antiquaire à deux rues d'ici. Peut-être que le vendeur vous en offrira un bon prix. Mais on va pas se préoccuper de Nermal dans un moment pareil, voyons. On va aller vendre ce chat et filer goûter au buffet à volonté de Dim Sum Truc Chouette. Allez, on te suit. Doré vous appartiendra. Mon chat doré. Vous voulez le vendre? C'est bien ça l'idée? Je n'en crois pas mon œil. Où dites-vous l'avoir trouvé, jeune homme? Ça va vous paraître invraisemblable, mais c'est ce chat et ce chien qui me l'ont donné. Je connais une chanteuse d'opéra complètement excentrique qui paierait cette statue à prix d'or. Je vous en offre 10 000. Oh, 10 000? Wow, je sais pas combien ça fait, mais il y a sûrement de quoi s'offrir plein de dim sum à volonté. Cette statuette doit avoir au moins 2 000 ans. Désolée, elle n'est plus à vendre. Toutes nos excuses pour le dérangement. Mais attendez, revenez. Que dites-vous de 20 000? 30 000? Oh. Non, par pitié, j'ai rien à vous dire. Je vous jure, je suis innocent. Allô, j'écoute. Oui, c'est bien moi, Bella Bellissima. Je sais qu'il y a votre chat doré, mais cette information a un prix. Vous serez riche, ma récompensée. Parlez. Non, j'ai pas vu Garfield ni Audi dans le quartier. Ils ont disparu depuis 24 heures, ce qui correspond à 20 repas. Même Nermal a disparu. Allô? Mon chat et mon chien? Vous les avez vus? Où vous trouvez-vous? Shanghai? C'est où ça? Ah d'accord, en Chine. Ah oui, bien sûr. Bon, mais très bien, je vais venir les chercher, hein. Merci. Hier matin, j'ai récupéré chez vous un colis très lourd en partance pour la Chine. Ah, ça explique tout alors. Je vais chercher mes clés de voiture. En Chine! Qui sait combien de dim sum on aurait pu acheter avec cet argent? Assez pour me nourrir pendant un mois. Plutôt une semaine. Vous savez ce que veut dire mon nom Ding Bang en français? Protège ton pays. Apparemment, cette statue a au moins 2000 ans. C'est un trésor national. Sa place est dans un musée chinois où les gens pourront venir l'admirer. Pas sur les étagères poussiéreuses d'un avide collectionneur d'art. Venez, vous passerez la nuit dans le restaurant de mon oncle. Je suis sûre que je pourrais trouver pour vous un autre bol. Entre dans la voiture. Oh, lâchez-moi, vous n'avez pas le droit. Vous avez entendu? Portez aux sales pattes de lui, sinon... Venez, vous lui tiendrez compagnie. Enfin, mon
chat adoré. J'ai attendu tellement d'années. J'ai cherché désespérément. Il est enfin à moi. Il appartient au peuple chinois. Vous ne vous en sortirez pas comme ça. Voyons, ne sois pas ridicule. Ça fait des années que je vends des œuvres d'art volées, ainsi que des pièces de musée. C'est ainsi que j'ai fait fortune. Mais pourquoi vous faut-il précisément celle-là? Parce que celle-ci détient la clé qui mène au trésor des... Oh, Voldo, comment s'appelle ce trésor dont j'oublie toujours le nom? Kong Bao Long. Voilà, ça fait au moins la dixième fois que je vous le rappelle. Si l'on se réfère à des traditions chinoises ancestrales, Kong Bao Long est le gardien du trésor caché. La statue du chat doré mène à la caverne souterraine où Kong Bao Long garde son plus précieux trésor. Le plus grand diamant de tous les temps. Le trésor de Kong Bao Long n'est qu'une légende. Mon oncle me l'a raconté pour m'endormir quand j'étais petit. Il existe vraiment. Et quand je mettrai la main dessus, je serai enfin assez fortunée pour réaliser mon projet le plus grandiose. Voltons le diable. Admirez le grand opéra Bella Bellissima, avec une statue géante à mon effigie et 500 000 places pour que des millions de gens puissent venir écouter mes inoubliables arias. Elle est interdite de chant dans tous les opéras d'Europe. Elle serait même pas chantée dans un film d'horreur. Voldo, enferme-le au chaud dans la réserve avec l'autre invité. Siam et Tiam, gardez un œil sur eux pendant que je décide de leur sort. Non, ainsi à moi. Avec la chance que j'ai en ce moment, je suis sûr qu'à tous les coups, l'autre invité s'énerve mal. Oh. Garfield! Qu'est-ce que je disais? Dis le chat, est-ce que ce joli chaton est un de tes amis? Oh, amis? Il faut arrêter cette folle dingue avant qu'elle ne trouve le trésor de Kong Bao Long. De Kambaki? Mais c'est quoi ce truc? Je t'expliquerai plus tard. Pour le moment, il faut qu'on trouve un moyen d'immobiliser ces deux sentinelles siamoises. Je crois que j'ai une idée. Bon, écoutez, les gars. Alors, à toi de jouer, Audi. C'est toi qui vas les distraire, compris? Je n'aime pas la danse classique. Et en plus, ce chien ne porte pas de tutu. Je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Bravo, vous avez fait fort! La légende dit que la statue nous conduira directement au trésor. Parfait! As-tu trouvé le plan à l'intérieur? Il n'y a rien dedans. Aucune carte, aucun indice. Regardez mieux! Il doit forcément y être! Ma statue! Rends-la-moi! La porte est verrouillée derrière nous! Rendez-moi ma statue! Un peu utile. Cette statue est à moi. En l'air. Par là les amis, suivez-moi. Par la fenêtre. Mais ça va pas nous au 50e étage. Ne les laissez pas s'échapper. Eh ben, je crois qu'on a vraiment pas le choix. Non, je ferai pas de chute libre du 50e. Rendez-moi mon chat doré. Là-bas. Attachez vos ceintures. Mais y'en a pas. Cette odeur de poubelle pourrie. Mais pourquoi est-ce que tu me regardes, hein? Qu'est-ce que c'est? Un hérisson mort? C'est un durian. En Chine, nous l'appelons le roi des fruits. Beaucoup de gens trouvent que ça a une drôle d'odeur, mais c'est très bon pour la peau. Une drôle d'odeur? C'est bien la première fois qu'un fruit me coupe l'appétit. Bon pour la peau, hein? Je suis sûr que Bella rêve d'un masque de beauté. Tu m'as loupé. Le premier qui atteint cette horrible chanteuse a gagné. Ah, au secours! À
jouer, les gars. Qu'est-ce que vous attendez? Rattrapez-les! Qu'est-ce que vous voulez, vous? Je fais un petit film, et puis ensuite je vais le poster sur Internet. Je vous parie que des millions de gens vont le regarder. Je suis la grande chanteuse d'opéra, bella bellissima. Écoutez la pureté de ma voix. Je reviens demain matin et on verra ce qu'on fait de cette statue et de vous trois. Bon, bah je vous laisse. Faites de beaux rêves, les amis. Vous avez vu ça? Le clair de lune se reflète dans les yeux de la statue et projette une image. C'est une tête de tigre? Ça veut dire quoi? Il y a aussi des inscriptions. La première moitié de la clé du trésor de Kang Baolong est cachée dans les anciens jardins de Suzhou. Une carte au trésor? Oh, oh! Alors ça, ça me donne faim. Suzhou n'est qu'à 50 km d'ici. La première chose que l'on fera demain sera d'aller chercher cette clé. Dormez bien. Tout ce que je sais, c'est qu'ils sont quelque part à Shanghai. Shanghai est la plus grande ville de Chine. Elle compte 23 millions d'habitants. Oh oui, je sais. Comment vais-je réussir à trouver deux chats et un chien dans... Deux chats et un chien impliqués dans une course-poursuite infernale la nuit dernière à Shanghai. À peine déposé sur Internet... Ce sont eux! Ce sont mes deux chats et mon chien! Je suis la grande chanteuse d'opéra, bella bellissima! Écoutez la pureté de ma voix! Nous déconseillons aux âmes sensibles et aux personnes cardiaques d'écouter l'extrait qui va suivre. Bella bellissima? Elle saura peut-être où je peux trouver Garfield, Odie et Nermal. Les jardins de Suzhou ont été créés pour célébrer l'harmonie entre les arts, la nature et l'esprit. Génial! Quand est-ce qu'on mange? Et sinon, elle est où la clé du trésor de machin machin truc là? Ces deux chats, ils vous rappellent personne? Ce sont les mêmes statues que la nôtre. Il y a même un espace libre entre elles. On dirait que la place de notre statue est au milieu. Il ne se passe rien. T'es vraiment observateur. Le chien, tu as ouvert un compartiment secret. Il est écrit que c'est la moitié du médaillon qui sert à ouvrir la caverne du trésor de Kang Baolong. Allez, à table maintenant. L'autre moitié du médaillon est gardée par le vieux maître du temple qui se trouve sur le mont Qinshan. Le mont Qinshan, c'est assez loin d'ici. Loin comme à des milliers de kilomètres? Oui, mais ne t'inquiète pas, on ne va pas y aller en pousse-pousse. On va prendre un moyen de transport plus rapide. Merci pour ton aide, cousin Tsang. C'est un plaisir, cousin Ting Bong. Sois content, Nermal. On va en Chine. Oui, c'est bien moi, bella bellissima. Cette statuette doit avoir au moins 2000 ans. Mais pourquoi vous faut-il précisément celle-là? Celle-ci détient la clé qui mène au trésor de Kang Baolong. Siam et Tiam, gardez un œil sur eux pendant que je décide de leur sorte. Cette statue est à moi. Allez, tu nous poursuis. La première moitié de la clé du trésor de Kang Baolong est cachée dans les anciens jardins de Suzhou.
Il est écrit que c'est la moitié du médaillon qui sert à ouvrir la caverne du trésor de Kang Baolong. L'autre moitié du médaillon est gardée par le vieux maître du temple qui se trouve sur le mont Qinshan. C'est loin. D'après la carte, il faut continuer tout droit vers le nord pour se rendre au mont Qinshan. Attendez-moi ici, je vais explorer les environs. Préviens-moi si tu trouves un restaurant qui sert des pizzas. Je meurs de faim. J'en mangerai même si elles sont aux anchois. On devrait pas rester ici. Cette forêt est peuplée d'horribles créatures venimeuses. Ah, oh, qu'est-ce que... On met ça, on met une... Mais qu'est-ce que... Ah, ah, oh, ah, sur quelle affreuse créature je suis encore tombée. Oh, oh, c'est toi. T'aurais préféré que ce soit une araignée géante? Peut-être bien. Elle m'aurait pas envoyé en Chine, elle. Ah, mais qu'est-ce qui arrive vers nous? Je sais pas, mais je parie que c'est pas un truc sympa. Ce ne sont que des pandas. Mais si jamais ils nous mangent tout cru. Du calme, casse-pied. Les pandas ne mangent que des feuilles de bambou. Mince alors, quelle est cette étrange créature? J'imagine que ce doit être une sorte de singe. Les singes sont plus malins que ça. Oh, mais c'est que ça chatouille. Oh, ce petit Gus est bien mignon, hein, dit. Vous êtes des copains, lui? Oui, je m'appelle Garfield et lui, c'est Oddy. Et moi, c'est Nermal, le chat le plus mignon du monde entier. Et vous allez où comme ça, les petits gars? Dans un temple secret tenu par un vieillard en haut de la montagne. Oh, vous voulez dire la vieille ruine tout là-haut, gardée par le vieux bonhomme tout zinzin? Eh ben, bonne chance, vous allez mettre des jours pour y arriver. En fait, nous allons dans cette direction. Si vous voulez, on vous emmène, vous serez en sécurité avec nous. Je peux monter sur votre dos? Je suis léger comme une plume. Alors, vous vous êtes fait de nouveaux amis? Voldo, je te tiens pour responsable de leur fuite avec ma statue. Je ne te félicite pas. Si je ne trouve pas ces diamants, je ne pourrai jamais construire l'opéra Bella Bellissima. Et pense aux millions de personnes qui seront privées de ma superbe voix d'opéra. Quelle chance ils sont. Pardon? Non, rien du tout. Je peux chanter tellement haut que le son de ma voix peut briser ces verres en cristal. Je vais consulter le système GPS que j'ai placé dans le collier des chastiers-bois. Excusez-moi. Je cherche la chanteuse d'opéra Bella Bellissima. Vous êtes un amoureux de musique classique et vous venez me demander un autographe? Non. Bon, alors sortez! Je cherche deux chats et un chien. L'un des chats est un peu enrobé et il... Je vous en prie, appelez-moi Bella. Ces chats et ces chiens, ils comptent beaucoup pour vous. Vous ne voudriez pas qu'il leur arrive quelque chose de grave, non? Non, jamais. Surtout Garfield et Oddy. Et ils ne voudraient pas qu'il vous arrive quelque chose de grave non plus, n'est-ce pas? Sûrement pas. Ils dépendent de moi pour tout. Eh bien, je vais vous dire exactement où ils sont. Veuillez entrer dans cette pièce. Je vous en prie. D'accord. C'est très gentil à vous. C'est pas drôle du tout. Ouvrez-moi cette porte. Il nous sera très utile si le chat et le chien refusent de coopérer. J'ai repéré le signal provenant des colliers des Siamois. Ils se dirigent vers le mont Qinshan. C'est le temple de la carte. Il ne nous reste plus qu'à trouver le vieux maître. Et un restaurant convenable pour manger. Il doit bien y avoir quand même un bon restaurant chinois dans ce quartier. Bon courage. Est-ce qu'on peut rester un peu plus longtemps? Non, on doit y aller. Au revoir. Au revoir. Merci. Et merci. Allez, plus que quelques mètres. Quand est-ce qu'on mange? Regardez, il y a un petit bonhomme assis sur un pilier.
Excusez-moi, monsieur. Nous sommes à la recherche de l'autre moitié de ce médaillon. Tu perds ton temps. Soit il fait la sieste, soit il est empaillé. Comment avez-vous fait ça? Un véritable guerrier kung-fu ne réfléchit pas. Il agit simplement en se référant à ce qu'il voit dans son esprit. Ce vieux maître est complètement yo-yo. C'est vraiment impressionnant, mais on souhaite vous parler sérieusement. Savez-vous, nous pouvons trouver l'autre moitié de ce médaillon. Eh bien, il se trouve que je l'ai. Et je vous le remettrai, mais à une seule condition. Que vous appreniez avec moi le kung-fu, tous les quatre. Est-ce que vous êtes prêts pour votre première leçon? Oui, je suppose. Est-il possible de manger quelque chose avant? Mes amis et moi sommes affamés. D'abord, il faut apprendre le kung-fu. Ensuite, vous mangerez. Vous avez déjà entendu parler de la technique de revanche poulet aigre doux du buffet à volonté? C'est normal, je viens de la hanter. Il est temps d'abattre les foudres de l'orchidée déloyale. Audi, à présent, tu peux tester ta technique personnelle de la langue maudite. Le kung-fu peut se diviser en 5 techniques de combat, inspirées par certains animaux de l'astrologie chinoise, tels que le serpent ou encore le tigre. Si vous maîtrisez ces 5 techniques, vous pourrez accomplir tout ce que vous désirez. Comme, par exemple, briser ce tronc d'arbre. À toi. Oh, Audi, tu es censé briser ce tronc d'arbre, pas le rapporter. À ton tour, le petit chat. Allez, tu peux le faire, Nermal. Ça doit pas être plus dur que de gagner le trophée du petit chat le plus adorable 3 ans de suite. Ma griffe, je me suis cassé une griffe. Vous avez une idée du temps que ça prend pour repousser? Ding Bang, montre-leur la voie de la réussite. Félicitations. Ça ne m'impressionne pas. Bien joué. Je pense que tu as mérité un dîner pour tous les quatre. Alors là, ça m'impressionne. Dis, si jamais on rentre un jour, il faut qu'on vérifie si on livre ça dans notre quartier. Merci pour ce dîner et aussi pour vos cours. Combien de temps faudra-t-il attendre pour être digne de recevoir l'autre moitié du médaillon? Patience, Ding Bang, un peu de patience. Tu as encore beaucoup à apprendre. Mon oncle va s'inquiéter si je ne rentre pas bientôt à Shanghai. J'aimerais une deuxième ration, s'il vous plaît. Tu t'es déjà resservi? Alors je veux la suite de la deuxième ration. La fin du gros chat orange n'est pas encore assouvie. Je m'en vais chercher un supplément de riz pour lui. Pendant que vous y êtes, apportez-moi un petit dessert. Quelque chose de très chocolaté. Vous avez entendu ça? Entrez dans le temple, vite! Encore vous deux? Les gars, ça a été un plaisir de tous vous connaître. Enfin, sauf toi, Nermal. Ces pandas savent faire du kung-fu? Non, c'est sérieux? Ça va pas la tête, des pandas en train de faire du kung-fu, c'est complètement ridicule.
minette. Tout le plaisir est pour nous, Estété. Maître, où étiez-vous passé pendant ce temps? Je regardais et j'observais. Ah oui? Merci du coup de main. Vous êtes tous super nuls en kung-fu. Pour être franc, vous êtes sûrement les pires élèves que j'ai jamais eus en 78 ans d'enseignement du kung-fu. En revanche, vous savez vous faire de vrais amis. Les pandas n'accordent pas leur confiance si facilement. C'est pourquoi vous méritez de recevoir la seconde moitié du médaillon. Merci. C'est un grand honneur. Nous détenons maintenant la clé complète du trésor de Kang Baolong. Oui. Et surtout, ne regardez pas droit dans l'œil du dragon Kang Baolong. Il a vaincu des armées entières. Vous avez compris? Oui. Merci du conseil. On n'a toujours pas trouvé ce que représente la tête de tigre. La solution se trouve juste devant vos yeux. Mais bien sûr, le tigre n'est pas seulement un signe astrologique en Chine. C'est aussi le nom d'une vallée. La vallée du tigre. C'est ici. Nous, on est là, et le trésor de Kang Baolong se trouve près de Pékin, sur la grande muraille de Chine. Hein? Pékin? Je sais pas où c'est, mais ça a pas l'air d'être dans le coin. Alors grimpe là-haut, Captain. Merci au vieux maître. Encore merci, papy, à la prochaine. Bonne chance, innocents étrangers. Et comme tous ceux qui se sont longtemps mis en quête du trésor de Kang Baolong, vous en aurez besoin. Sois content, Nermal. On va en Chine. Oui, c'est bien moi, Bella Bellissima. Cette statuette doit avoir au moins 2000 ans. Celle-ci détient la clé qui mène au trésor des Kang Baolong. Siam et Tiam, gardez un œil sur eux pendant que je décide de leur sort. Cette statuette est à moi. Allez, dis de poursuivre. La première moitié de la clé du trésor de Kang Baolong est cachée dans les anciens jardins de Suzhou. Il est écrit que c'est la moitié du médaillon qui sert à ouvrir la caverne du trésor de Kang Baolong. L'autre moitié du médaillon est gardée par le vieux maître du temple qui se trouve sur le mont Qinshan. Et je vous le remettrai, mais à une seule condition. Que vous appreniez avec moi le kung-fu. La clé complète du trésor de Kang Baolong. Je vous en supplie. Si vous savez où ils sont partis, vous devez me le dire. Oh, mes chers Pakichas, mon chien me manque tellement. Oh, je vous en prie, dites-moi où je peux les trouver. Bon, Voldo, je crois que ce vieux bouc est complètement ok. Allons-nous-en d'ici. Il doit bien y avoir un moyen de savoir où ils sont allés. Oh, mes adorables petits trésors! Vous êtes les seuls sur lesquels maman peut vraiment compter! À quoi ils servent? Ils n'ont aucune idée de l'endroit où sont le garçon et les animaux. Détrompe-toi, Voldo! Ils sont sur une piste! Oh, mes bébés! Merci de nous avoir emmenés! De rien! Bonne journée! Admirez, mes amis! Voici la grande muraille de Chine. D'après la carte, la caverne secrète ne doit plus être très loin. Je crois que le chien jaune a trouvé quelque chose. C'est rien qu'un vieil os de dinosaure. Tu parles d'un trésor? Regardez, là-bas. Ça doit être l'entrée de la caverne. Ça s'ouvre pas. Oh,
C'est vrai, la clé. Non, ne faites pas ça. Remontez-moi, pitié. John. Garfield, Audi, Nermal. Aidez-moi à trouver le trésor ou vous ne reverrez plus jamais votre maître. Cet homme est votre maître? Oui, enfin, il nous nourrit. Nous vous aiderons à trouver le trésor. Vous avez ma parole. Donc, qu'est-ce qu'on cherche au juste? Le trésor de Kang Baolong. Selon nos légendes ancestrales, c'est un dragon féroce qui garde un trésor caché gigantesque. Oh, t'en fais pas, Audi. Les dragons, ça n'existe pas. Dépêchez-vous, je veux mon trésor et vite. À part ce dragon-là, bien sûr. Ne restez pas planté là. Entrez à l'intérieur pour voir ce qui se passe. Bon, je me lance. Je vous suis. Regardez ce rayon de lumière. Je passerais pas au travers si j'étais vous. Oups, je l'avais pas vu. Merci. Bande d'ignobles, sac à puce. À votre tour. Et vous parlez au vainqueur du trophée du chat le plus mignon du monde. Laisse tomber, Nermal. Allez, Audi, on avance. Vous ne croyez pas qu'on devrait attendre avant d'avancer? Ils sont presque de l'autre côté, Froustor. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait un rébus. Je sais pas trop. Il y a différents animaux représentés sur cette roue. Un bœuf, un mouton, un rat. Il faut probablement trouver la bonne combinaison pour ouvrir cette porte. Ignoble sac à puce. Pour qui elle se prend pour me parler comme ça? Attention, Nermal. Ce sol n'est peut-être pas assez solide pour supporter ton ego. Laisse-moi juste m'admirer pour voir si je suis toujours aussi beau. Oh. Oh. Qui a interrompu le rayon de lumière? Nermal! Mais qu'est-ce que t'as fait? Je me suis juste regardé dans un miroir. Il faut qu'on arrive à ouvrir cette porte au plus vite. Dépêchez-vous, moi, rien. Mademoiselle Bella, allez. Il doit forcément y avoir une logique. Rat, cochon. Cochon? C'est mon signe astrologique chinois. Bien sûr. Ce sont les 12 signes du zodiaque chinois. Il suffit juste de les remettre dans l'ordre. C'est le moment de se dépêcher un peu, Ding Bang. Le lapin va entre le tigre et le dragon. Et le bœuf, alors? Avant le... Non, après le rat. Oh, où est cet imbécile quand on a besoin de lui? Le dernier est le tigre. On a résolu l'énigme. C'est pas le moment de... J'ai pas peur. La porte s'ouvre. Elle s'ouvre sur le trésor de Kang Baolong. C'est pas un vrai dragon, Audi. Ce n'est qu'une grande statue. Écartez-vous! Place! J'ai un trésor à dérober! Avec tout ça, je vais pouvoir m'offrir des centaines d'opéras bella bellissima. Et je chanterai des arias dans chacun d'entre eux. Ce serait vraiment jeter l'argent par les fenêtres. Avec cette fortune, on achèterait des montagnes de lasagne. Ces pièces et ces lingots d'or ont des milliers d'années. Leur place est au musée. Ces statues ont l'air tellement réelles. On dirait de vrais soldats qu'on aurait transformés en statues de pierre. Regardez l'œil du dragon. C'est le légendaire diamant de Kang Baolong. Le diamant, il me le faut absolument. C'est le plus gigantesque diamant de tous les temps. Le diamant.
ramenez-la. Tout de suite, Benia. Ramène-moi ce grand vase à frais. Il m'a faut ce diamant. Oui, il me l'a faut. Mais surtout, ne regardez pas droit dans l'œil du dragon. Il a vaincu des armées entières. Oui, c'est ce que le vieux maître nous a dit. Ces statues, c'est une armée. Vous croyez que c'était des chasseurs de trésors avant? Fermez tous les yeux, maintenant. Oh, c'est tellement beau. Je peux pas fermer les yeux. Ah, tu peux pas les fermer. Bah tiens, moi je vais te les fermer. Mais je ne peux pas détacher mon regard de ces diamants. Mademoiselle Bella, vous n'avez rien? Mademoiselle Bella! On est tous vivants? Mais enfin, ça se discute. La voûte va s'effondrer d'une minute à l'autre. Fichons le camp! Courez! Oh non, je suis coincé! Aidez-moi! Je pense que le moment est bien choisi pour... Fichez le camp d'ici! Venez, il est encore temps! Je ne peux pas laisser Mademoiselle Bella toute seule! Les portes se sont refermées à jamais. Je sais que c'est idiot, mais je ne peux pas m'empêcher d'être désolé pour elle. Et aussi pour ces deux siamois, aussi méchants soient-ils. C'est vrai, personne ne mérite de finir comme ça. Comment je pourrais vous remercier d'avoir pris soin de mes animaux? Un repas serait un bon début. Audi, t'as quelque chose de coincé dans la gorge? Oh. Des pièces appartenant au trésor? Il y en a assez pour un repas. Elles sont inestimables. C'est un trésor national. Leur place est dans un musée chinois où mon peuple pourra les admirer. Bien dit. T'aurais pas avalé un ou deux lingots par hasard? C'est vrai que les dim sum, c'est délicieux, mais j'espère ne plus jamais revivre une telle aventure. Ah, Ding Bang va me manquer. C'est un gentil garçon. Et on s'est bien amusé en Chine. Mais Audi a raison. En dehors des fois où on a essayé de nous zigouiller, bien sûr. Et j'attends toujours tes excuses. Comment, mes excuses? Mais pourquoi? Pour m'avoir envoyé en Chine par la poste, m'avoir abandonné à l'aéroport, m'avoir jeté d'un immeuble de 50 étages, pour Normal. M'avoir... Normal. Si ça peut t'aider à te sentir mieux, je te présente mes excuses. C'est vrai? Bah dis donc, c'est la première fois que tu t'excuses. Ça rattrape presque toute cette mésaventure. Je suis content que tu le prennes comme ça, Normal. Fais-moi penser quand on arrive à destination. J'ai un paquet à faire envoyer par avion au pôle Nord. Il y a quelque chose que j'ai toujours voulu vous dire. Vous chantez faux ! Que viens-tu de dire à propos de ma façon de chanter ? Je te jure que tu vas le regretter !